Bonsoir Moussaillon, bienvenue à toutes et tous dans cette grosse soirée pirate, cette grosse soirée qu'on va passer sur Sea of Thieves. J'espère que vous allez bien, comme vous pouvez le voir, j'ai mis mes plus beaux vêtements que vous avez l'habitude de voir. Évidemment, je suis capitaine d'un grand bateau et ça va être très très difficile de le gérer. Évidemment, je ne serai pas seul, je serai accompagné de mes acolytes de toujours sur mon bateau incroyable. Premièrement, je serai accompagné, on va dire que c'est une pêcheuse dans l'équipage. Ultia sera avec nous, messieurs dames, la pirate Ultia, la pêcheuse, proche de ses sous, bien sûr. Il n'y aura pas que Ultia, messieurs, dames, je serai aussi accompagné de Bagheera Jones toute la soirée. Bagheera Jones, j'ai envie de dire Moussaillon, fan de pommes de terre, mais pas seulement, fan de musique aussi. Elle sera là pour relever quelques défis de type artistique, comme elle a l'habitude de le faire, évidemment. On l'appelle l'artiste aussi sur le bateau. Il y aura aussi un quatrième personnage avec nous, et pas des moindres, messieurs, dames. J'ai nommé Rivenzi, le bandit, tel qu'on l'appelle. Il est actuellement en prison avec toutes les conneries qu'il a pu faire. Là, pour le moment, il va pas sortir, mais on va avoir besoin de lui, évidemment, dans la soirée. Vous allez voir, on a plein de choses de prévues ce soir, des défis, des choses à faire. On va naviguer toute la soirée ensemble. Je vais demander, évidemment, à toute mon équipe, mais j'ai même pas besoin de leur demander. Ils sont déjà en train de le faire, de s'installer sur le plateau. En fait, ils sont déjà... Ok, ils sont déjà... En fait, vous attendez que moi, là, en fait, c'est ça? Ok, bon, je vais peut-être me lever. Vous êtes très bien habillé, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut le remarquer, ça? C'est super sympa, Rive. Je t'avais jamais vu comme ça, tu vois? Ouais, bah, moi non plus, je me suis jamais vu comme ça, en vrai. C'est pour vrai, le coup. Ouais. Et en plus, j'ai un super... Alors, les gens le voient pas, mais j'ai un pantalon qui me... Bah, les gens le voient pas, mais peut-être qu'ils peuvent le voir. Ah oui, alors, bien sûr. J'ai un pantalon qui me sert. Il est passé tout juste. Hein. C'est-à-dire que si je faisais. Attends, je vais me mettre là peut-être. Voilà. Si je faisais ne serait-ce que 2 kilos supplémentaires. Ah, si je pense que je craque tout si je me baisse. Hein. Ok, donc, baisse-toi pour voir. Non. D'accord. 1-0. Voilà. C'était quand même... le premier défi, tu l'as perdu. Parce qu'il y a le chef décorateur qui est derrière et qui est en mode ne craque pas le pantalon. C'est vrai. Capitaine, vous êtes le capitaine. Je suis effectivement le capitaine. Autant vous dire que cette soirée va être catastrophique. Ça, c'est clair et net. On part sur une catastrophe du début à la fin. Je compte au moins 3 à 4 naufrages, je pense, ce soir. Il me semble qu'on a des missions à faire aujourd'hui, capitaine. On s'est réveillé avec des missions à faire. Exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, on va pas juste naviguer et faire absolument n'importe quoi. Il y a plein de choses à faire sur Sea of Thieves. Et évidemment, on a prévu des défis pour toutes et tous. Nous avons effectivement différents défis à réaliser sur les flots aujourd'hui. Vous le voyez donc qui s'affiche juste de ce côté-là, de l'autre côté, hein, du côté sur Bagheera. Donc voilà les défis. Tous ces défis sont importants parce qu'il va falloir couler un bateau adverse, prendre le coffre d'une équipe adverse, tuer un bateau fantôme. Il va falloir pêcher. Et je me tourne vers. Vers la pêcheuse. Vers la pêcheuse, voilà, exactement. On va voir tuer un kraken, tuer un mégalodon. Tuer le kraken ? Ouais, pas de soucis. Et en vrai, je vais le voir pêcher 30 poissons. Et d'après ce que j'ai compris, quand j'arrive à le faire, je vais pouvoir vous foutre des sardines filmées. Chacun a des pouvoirs à faire subir. Je pense que c'est le terme subir est bon pour l'ensemble de l'équipage, bien sûr. On a chacun des pouvoirs issus de nos rôles, évidemment. Donc moi, je suis capitaine, donc c'est très très simple. Mon pouvoir, c'est quand je veux, je vous mets en tôle. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc vous allez éviter de m'embêter, vous allez être plutôt, tu vois, m'écouter quoi. Le pouvoir de Ultia, du coup, tu avais commencé à nous en parler. Bah en fait, une fois que j'ai pêché mes 30 poiscailles, eh bien je vais pouvoir vous mettre des sardines sous le nez pour que vous puissiez passer un agréable moment. Est-ce qu'il faut les manger ou pas? Est-ce que tu choisis une personne ou 30 poissons ou tu nous mets sous tous? Bah j'ai 3 boîtes et vous êtes 3, donc bon. Du coup faut les manger aussi? Ah bah vous allez devoir en manger au moins une. Histoire de sardines, histoire de quoi du côté de Bagheera en termes de pouvoir? Alors histoire ce soir. De tout à l'instant, mais surtout histoire de citron. Si vous vous prenez des dégâts ce soir, je peux décider sur le fait que vous allez vous nourrir de citron, de citron cru hein, bien sûr. Un bon pouvoir de musicien bien sûr. C'est ça, donc, relou quoi. Et moi du coup j'ai un dernier pouvoir, évidemment. Vous le voyez, il y a un sac de patates. Justement Bagheera avait commencé à faire des patates. En gros, si l'un de vous meurt, je peux décider de vous envoyer faire une petite crevette patate pendant quelques temps. Ok, est-ce qu'on a bien rempli tout? Est-ce que vous avez tout récupéré? J'allais voir ça. Ça va être dur, hein, 30 poissons, moi je vous le dis. T'en as combien pour le moment? Bah, 0. Sinon, on descend à 1. Le défi a chier. Non, mais je vais y arriver. À chaque palier, je vous mets une boîte de sardines. Hein. C'est quoi les paliers? Bah, 10, 20, 30. Allô, bah... Je peux me baisser. Aïe. C'est quoi non, ça? C'est quoi ça? Non, mais on est où là? Capitaine, allez, plus de 29. Oui, quoi? C'est un poisson. Oui, l'objectif est d'en avoir 30, c'est le premier. Ok, capitaine, je peux pas toucher la barre, hein. Je peux pas toucher à votre barre, capitaine. Ouais, c'est ma barre, bien sûr. Votre énorme barre, je vais pouvoir la tourner. Ah, mais touchez pas là ma barre. Non, mais c'est par rapport. Elle est grosse. Vous avez vu la barre du capitaine? Je vais voir la barre du capitaine, attendez. J'ai rarement vu une aussi grosse barre de mon côté. C'est vrai qu'elle est grosse. Regardez ma barre. Énorme barre. Regardez mon perroquet. Comme il est magnifique. Non, Rivenzi, non, qu'est-ce que tu vas faire? Ça sent le canon. Non, non, t'as mon perroquet dans la main? Non, j'ai pas. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Non, tu sais la dernière fois ce qu'il a fait Bagheera? Il l'a mis dans le canon? Oui. Il y a un rocher devant.
Capitaine, il y a un rocher juste devant. Capitaine, il y a un rocher devant, capitaine. Et où ça? Bah, devant. Ah bah là, là, c'est devant, là. C'est devant, là. Oh là là, capitaine. Ça va être ma faute, cette histoire, capitaine, encore. Capitaine, on n'a pas vu le... On n'avait rien vu, capitaine. Bon, on va passer par le tribord du rocher. C'est quoi ce bruit? C'est un bateau fantôme, ça. Il est derrière nous, il est en train de s'approcher. Eh ben, j'arrive. Est-ce qu'on peut remplir les canons? Je remonte, capitaine, je remonte, j'arrive. Il va falloir remplir les canons, vite. Je l'ai perdu de vue. Il y a des gens avec des armes dans l'eau, c'est quoi? Quoi? C'est quoi? Ah, c'est des sirènes. Putain, c'est des sirènes. Oh mon dieu. Oh, c'est des sirènes, cassez-vous. Embarrez-vous, les sirènes. C'était pas dans le plan, les sirènes. Je les tue, je les tue. Ah, c'est des zadistes, ils veulent pas qu'on fasse un aéroport sur leur île. Cassez-vous, les zadistes. Mais quoi? C'est nouveau. Je suis morte. Ok, j'ai retrouvé le bateau. T'es morte? Pomme de terre. Apple de terre. 3 pommes de terre, hein, s'il te plaît. Ça fera 3 pommes de terre pour la 4. Alors, si on commence, c'est pas grave. Je lève l'encre. En vrai, faudrait vraiment les manger après. Quand tu prends des dégâts, je peux décider si tu manges un citron ou pas. Ah, bah j'ai pris plusieurs fois des dégâts. Je pense qu'un petit citron, tu peux y aller. Oh, ça va qu'écro dans le citron. Directement. Mais on va prendre tout le temps des dégâts. Ouais, mais je décide quand. Ouais, c'est vrai. Je décide quand finalement. Pour quand est-ce que je prends la décision? Bon, troisième poisson. Non, mais c'est trop gros là, il faut les couper en compte. Ah non, il faut croquer dedans, prendre plein dedans. Hein. Même ceux des tech-packs, ils sont pas aussi gros. Bon, tribord. Mais bon, je vais recroquer dedans plusieurs fois. Hein. De temps en temps. Oui, attends, ça fait de mal à personne. Moussaillon, on arrive petit à petit à bâbord du bateau adverse. On l'aura donc à notre tribord. Est-ce que tous les canons tribord sont pleins? Ouais. Attends, allez, on les déglingue, hein. Allez. Mais vite, on n'arrive pas à le rattraper en fait. Tu peux nous mettre on va y arriver. Je nous fais de la musique de guerre. Ok, c'est bon. Attendez, mais on fonce dessus, mais. On y est, c'est parti. Bah, il faut. Harponner. Mais ils sont pas du tout remplis, les canons. Ah non. C'est une blague. Non, t'es sérieuse. J'ai attaqué. Mais comment ça, je suis arrivé dans un canon. Ah ouais, non, ils sont pas remplis. Ils sont pas remplis, les canons. Bah, c'est une quête. Mais c'est bon. Vous ne deviez pas remplir les canons. Mais vous savez que là, une fois qu'on attaque, on attaque. Battez-vous. Ils nous bombardent. Mais j'ai été si clair. C'est une catastrophe. Mais moi, je croyais que vous l'aviez fait. Bah non, tu le faisais, Bagheera. Bah non, après, il a demandé est-ce que c'est fait et vous avez tous dit oui. Alors je me suis dit que c'était bon. Il est où le bateau? Il arrive. Ok, le feu, le feu. Attention. En vrai, ils prennent un rythme. Ils mis feu à leur bateau. J'ai envoyé au-dessus. Quoi? Mais qu'est-ce qu'ils font? Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, c'est il y a un caillou. Oh, il va nous approcher. Okay. Oh là là, il prend tarif en vrai. Oh là, il nous monte dessus. Peut-être qu'on peut leur monter dessus aussi. Oh, personne ne monte sur personne. Bon, je répare la coque du. Oh, on se noie, capitaine. On est noyé. Mais non. Vite, dépêchez-vous. Il faut écoper là, c'est urgent. Je crois que c'est problème numéro 1. Oh non, c'est fait couler en deux. Mais c'est pas fini. On a jamais le bateau. Donc là on a 8 défis à faire. Là ça fait une heure qu'on a commencé. Ah non mais il y a une tempête, on peut pas bouger. Ah non mais non, capitaine. Il y a une autre poulette là-bas. Le bateau, j'ai pêché un poisson de trophée. Mais non. Ouais, parce qu'en fait, pour la petite histoire, au début, c'était pas 30 poissons que je devais pêcher, c'était des poissons trophées. Et en fait, je me suis dit, mais moi, j'en ai jamais pêché des poissons trophées, j'ai peur de jamais y arriver. On a regardé sur internet et tout, on trouvait rien de spécial. Mais en fait, c'est un poisson trophée. Est-ce qu'en régie, un poisson trophée, ça compte pas pour 10 poissons? 10? Bah ouais, parce que tu devais en choper 3 là-bas. Oh, quoi? Je vais devoir vous ouvrir une boîte de sardines. Pourquoi? Bah parce que du coup, j'ai 15 poissons. Ah oui, du coup, ouais. Bon, j'ouvre une boîte de sardines. Hein. Oh, ça sent vraiment fort. Vous devez en manger une au moins. En vrai, ça me donne. Moi j'ai mangé avant donc j'avoue je n'ai pas envie de... Tiens, sniff ça. En vrai, c'est pas ce que j'ai envie de sentir maintenant, j'avoue. Ah bah tiens. Oh la lourdeur. J'ai l'impression que ce bateau part sans moi. Vous vous rendez compte, je suis pas sur le bateau. Hein. Ah mince. Écoutez, vous savez quoi, c'est pas bien grave parce que j'avais peut-être un objectif secret qui fait que si vous m'abandonniez sur une île et que vous partiez sans moi en levant votre ancre, j'allais pouvoir vous emmerder un petit peu. Ah non, la lourdeur. Non, c'est pas vrai, tu mens. Tu viens de l'inventer. Non, il y avait. Non. Oh non. Oh, c'est Véronica le rat. Oula. Bon, j'ai perdu mon poisson, mais ça coûte. En vrai, j'en gère, non? Capitaine, est-ce que c'est pas l'occasion de l'envoyer au fer? Comme ça, on la récupère, et puis comme ça, elle va faire de la manœuvre. Bagheera, je pense que tu vas aller te jouer de ça tranquillement au fer, si t'es d'accord. Enfin, si t'es d'accord. Le capitaine qui a aucune autorité, c'était OK avec ça? Je me souviens d'une époque où, quand on voguait sur les flots, il suffisait de tendre la main pour ramasser des pièces d'or. Ah, c'était le monde des pirates, quoi. À l'époque, on pouvait boire du rhum. Elle s'en sort bien, en vrai. Elle est meilleure harmonica que sur un bateau, en tout cas. C'est ce que je me disais. Et je t'entends, hein. Vous avez vos armes de récupérer? Ouais, c'est bon. Allez, 3. Ah bon? Attendez, on y arrive. Pas tout déchargé. Ah non, mais j'ai pas de canon. 3, 2, 1. Je suis tombé! Non! Maintenant, shooter! Je suis tombé! Oh non, mais Bagheera. Bon, bah j'y vais. Je vais dans le bateau. Allez, on fait gameplay croûte, elle fait nimp. Non, mais j'ai glissé. Ok, c'est bien. C'est une première bonne attaque, attention. Capitaine, on rentre dans une île là. Non.
Non, tout si, va. Si, je vous non, dis non. Oui. Oui, mais regardez bien. Hop là. Je vais dans la cale. Je répare. Ça nous a permis le virage parfait. En tout cas, ils ont plus de capitaine et on peut pas baisser leur ancre bizarrement sur le bateau fantôme. Ah ouais. Attention, on leur fonce dessus. Bah, ils nous foncent dessus. C'est un peu. Ah, c'est du moitié-moitié, je dirais. Il y a pas de sirène. Je peux pas remonter. Je suis juste à l'eau en fait. Ah, c'est bon. Non, c'est bon. Il coule. C'est bon. On a gagné. Let's go. Ok, faut écoper. J'écope. J'arrive. Tu viens écoper. Je suis là. Il faut écoper. Faut se mettre tous dessus là. Riff, tu répares. Je répare. Je suis au fond en train de réparer là. On a réussi du coup. Il a coulé, ouais. J'ai pas eu le succès. Let's go. Ah, oh. Bah, nous voilà arrivés sur une île. Parfait, je vais voir s'il y a des choses. C'est exactement ce qui vient de se passer, c'est énorme. Ça fait combien de poissons là? Non mais elle a que ça. Regardez-là avec ses poissons. 20... Les 20 poissons qui ont été pêchés par Ultia. J'ai le droit d'ouvrir une autre boîte de sardines. Pas vraiment comme une enfant de 4 ans. Après tu t'y fais donc Rive toi l'odeur de la sardine là, t'es... Pas trop. En vrai il y a des gens qui sont venus manger juste à côté tout à l'heure, ça fait du bien en termes d'odeur. C'est pour Bagheera du coup. Non, c'est pour toi. Tiens, regarde. Tu vois, c'est dans Bagheera. C'est pour toi. C'est pour toi. Ça sent fort. Ouais. Oh, j'ai encore un poisson trophée. Ça fait 30. Ouais. Et ça fait 30. Et c'est un premier défi. Bravo. Deuxième défi de réaliser. Bravo. Ils sont là, ils sont là. Babord toutes. Peut-être pas toutes non plus, mais Babord. Ouais, mais il va falloir qu'on prenne un côté. Est-ce qu'on peut remplir les canons? Ouais, je suis en train de. J'arrive, capitaine. Mais attendez. Déjà, on essaye de faire un orchestre. On les attaque pas. Ensuite, il y a 3 barils de poudre dans la cale. Donc on met des barils de poudre dans leur truc et on fait exploser. On se casse. Attends, ça nous fait deux électrons. Orchestre, donc copain-copain. Là, copain. On fait orchestre avec eux. Mais... On fait copain-copain en mode on vient en paix, machin. Et après, nos barils de poudre, on les met dans leur cale. Ouais. Et on les fait exploser. Ok. On va contourner par le bâbord. Hi, can you hear us? Oui, du bateau. C'est pour faire de la musique. Mais ils nous entendent pas. Arrêtez de gueuler. Can we make music together? Music is like the blood of the life. You want to go to back to my plane and go back to France? This is not the method. Hi, it's for making music. Do you know Jacques Chirac? Do you know la France à grand-papa? Do you know the pomme de terre? Do you know Aurélien, le consanguin? C'est mes couilles. Pourquoi je prends cher comme ça, genre? Mais ils s'éloignent de ouf. Ils vont dans l'autre sens, mais on n'est pas si loin, ouais. Je t'aime de ouf. C'est le nouveau tube de Weshgate. Hey, c'est loin de même le matin, t'es beau. J'ai rêvé que de toi. J'ai vu mon printemps dans le château. T'es parti loin. Et quand je pars en guerre, te mets direct au front. Je t'éloigne de ouf. Genre, c'est compliqué. Je t'éloigne de ouf. Mais pourquoi ils s'éloignent autant, là? Non, mais il veut pas de nous, quoi. Putain, mais c'est un jeu multi. We do want to play music with you. Je crois qu'ils sont sur l'île. Peace. Non, ils mettent les voix. Wir sind zusammen. No, please. Pirate, um zu Musik zu spielen. We come in peace. Spielen musiken. Oh non, ils ont mis les voix là. Oh, ils partent. Mais ils partent. 12 seconds later. Je suis sur leur bateau. T'es sur leur bateau là? Ouais. Mais parleur. Autant, j'ai ramassé une caisse. Non, ramasse pas des trucs. Non, repose. On vient en ami dans un premier temps. Il faut qu'on fasse un objectif. Et après seulement on fait sauter leur bateau. Soit doux, soit doux. Hello guys. Ah mais ok, on tire tout de suite dessus, j'ai rien le temps de dire. Ok, je me casse. Hi my friends. We come in peace. Vous avez pris vos instruments hein? Oui, venez, c'est bon. Ah, ils jouent la musique avec moi, J'arrive. Jouez. Oh, c'est le. Ok, j'arrive avec le baril de poudre. Prends-le, va le chercher. Va chercher le baril. Horrible personne. On est des pirates. Va chercher le baril. Va vers leur bateau en scred. Tu peux monter. Est-ce que quand ils reviennent, on les tue pas? Là. Va dessous, ouais. C'est un petit sloop. Là, ouais. Attention à pas sauter avec le truc quand tu vas tirer dessus. Attends, t'as mis le truc là? Oui. Vite, partez. Le bateau a coulé, messieurs là. Et ça repart. Non, on a. Attends. Mais putain, il a zéro fun. Mais c'est pas zéro fun, il m'attaque. Bah meurs, c'est pas grave. Oh, moi je suis morte, tout va très bien quoi, enfin, au bout d'un moment. 0-3-1. On rappelle que dans ce coffre, messieurs, dames, il y a 5, le Graal. 5 millions d'euros en petites pièces. Très légère aussi. C'est ouvert. Nous avons évidemment, de la moula. Merci à vous d'avoir été là. Bien sûr, je fais un truc un peu à la Olivier Mine, tu vois. Et on se retrouve bientôt en live. Toujours plus loin. Toujours plus haut. Toujours plus fort. C'est énorme. Oh là 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 là.